Ce type de rencontre entre le gouvernement et l'opposition devrait être fréquent. C'est ce que souhaite le président de l'Union démocratique et citoyenne, UDC. Il a annoncé mardi face à la presse. Melek Théodore s'est prononcé sur les sujets brûlants de l'actualité nationale. Pour lui, la cohésion sociale demeure encore fragile. Il faut donc renouer avec le dialogue social entre le gouvernement et l'opposition. Michel Dicré. Melek Théodore sans détour sur les questions d'actualité en Côte d'Ivoire. Le président de l'UDC déplore les positions tranchées de l'opposition et du pouvoir sur les sujets liés à la vie de la nation, tels que la recomposition de la CEI, le recensement général de la population. La Côte d'Ivoire ne peut progresser ni atteindre les objectifs des gouvernants et retrouver sa crédibilité tant intérieure qu'extérieure dans un contexte de dialogue de sourds qui l'expose au risque d'un péril encore plus grand que par le passé. S'agissant de la réconciliation, beaucoup reste à faire selon Mel Théodore. Certes, des efforts ont été faits, mais ils restent encore timides. Pour permettre à la Côte d'Ivoire de tourner définitivement le dos à la belligérance entre ses filles et ses fils, Mel Théodore souhaite une action vigoureuse du chef de l'État.